Voilà, c'est bon, tu es prête. Alors vas-y, je te laisse faire. Sindel, moins fort. Coucou Sindel! Coucou maman! Alors, comment on se retrouve après ce week-end? Hein, t'étais pas là, t'étais chez papa? Oui. Ouais, ça s'est bien passé? Oui. Aujourd'hui, les petits copains, on se retrouve avec Sindel pour une petite vidéo routine cantine, parce que normalement, Sindel mange à la cantine. Hein, Sindel? Oui. Ouais. Et je ne la prends jamais le midi, mais là, exceptionnellement aujourd'hui, je vais la prendre parce que je dois la changer, elle doit changer de vêtements. En plus, j'ai faim. En plus, t'as faim? Oui, mais t'aurais mangé à la cantine quand même. On t'aurait nourri, hein, Sindel? Oui, mais c'est toujours des repas que j'aime pas dire. Oh là là, t'aimes pas. D'accord. La purée de carottes et tout. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je récupère Sindel aujourd'hui pour la changer parce qu'elle doit changer de vêtements. Et puis, parce qu'on va faire une petite vidéo ouverture aujourd'hui, entre midi et deux. Ça te dit? Oh, c'est chouette, merci mon chat. Je la mets dans ma poche et je la donnerai à la tortue. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je disais, du coup, on va faire une petite vidéo unboxing aujourd'hui, mais vraiment un tout petit. Ah. Hein? Ouais, bah oui, parce que c'est juste. Une petite vidéo, ça fait du bien de temps en temps. T'aimes bien ça, toi? Alors, du coup, bah voilà, Sindel rentre de l'école, là. Je sais pas trop quoi dire, là, c'est ses jeux préférés. Ouais, tes jeux préférés. Oh non, pas maintenant. Ce soir, si tu veux. Non. On doit manger. Tu dois te changer. Tu dois faire l'unboxing. Ah, j'arrive plus à parler. Tu dois faire l'unboxing. Vas-y, cours. Quelqu'un qui fait du barbecue par ici. Un barbecue, je pense pas, vu le temps, mais je pense effectivement qu'il y a quelqu'un qui fait brûler des feuillages, des branchages, je pense, parce que ça sent quand même le brûlé. Bon, vas-y, tu peux nous ouvrir. Alors moi, j'adore ouvrir. Moi. Hop. Cours, Anne-Stérix, cours. Alors moi, je vais regarder quand même le courrier. Qu'est-ce que vous voulez? Je te donne le... Alors non, c'est moi qui vais ouvrir, pour une très bonne raison. Parce que sur le courrier, il y a notre nom de famille et je ne veux pas qu'on le sache. Parce que c'est un secret. Ah, bah, le facteur est là. Donc... Aïe. T'as juste ouvert. Allume. Ah oh, bon, on y voit plus clair. Ah. Oh bah surtout ferme pas la porte. Et puis laisse mes clés. Elle a laissé mes clés sur la porte. Attends. Sindel, moi ce que je te propose, je vais te donner tes vêtements. Tu vas te changer. Et pendant ce temps, je te fais à manger. Et après, une fois qu'on a fini de manger, et ben... On va aller en boxing. En attendant, tu sais ce que je vais faire. Je vais ramasser la bouteille d'Orangina que ta sœur m'a laissée sur le radiateur. Mmh. C'est bien les ados. Hein. Bon, je te laisse te changer. Je te laisse te changer. Là. Allez, je te donne tes affaires et tu te changes. Ding, ding, ding. Bon, alors voilà, on se retrouve comme promis. Alors, Sindel a mangé, elle est changée. Elle est prête pour aller à l'école. Mais il nous reste une demi-heure. Alors, en une demi-heure... Elle va pouvoir ouvrir son paquet. Voilà, alors je ne sais pas si elle se souvient qu'elle a ça à ouvrir, enfin qu'elle doit d'abord recevoir ça. Donc on va bien voir. Voilà, là pour l'instant elle est dans la pièce d'à côté en train de regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'est parti. Alors, tu te souviens de ça? C'est du chocolat. Alors attends, on va mettre pause là-dessus. C'est quoi que tu regardes? Ah bah, comme c'est étonnant, tiens.
J'étais justement en train de dire que tu regardais tes youtubeurs préférés. Alors je vais mettre pause. Hop. Et tu vas pouvoir ouvrir. Mais ça, je vais vous laisser là. Ouais. Attends deux secondes, j'ai enlevé l'ordi de place. Moi, attendez, je vais me laver les mains et je vais m'inquiéter. Alors, va te laver les mains. Ça va les chiens, tranquille? Ça va pour vous? Et voilà, et là, bien sûr, on a caché, j'ai déchiré, puis un petit peu caché l'adresse, hein, normal. Tindal. Bon, allez, c'est parti. Tu as les mains mouillées? Oui. Bah, essuie-toi, hein, c'est de l'eau, hein, donc vas-y, essuie-toi sur toi. Voilà, donc Sindel est prête hein, pour retourner à l'école après. Elle est habillée, elle est lavée, il n'y a plus qu'à se laver les dents après. Voilà, c'est bon, tu es prête. Est-ce que tu te sens douée? Alors, j'ai pas ouvert le colis, par contre j'ai ouvert, tu vois derrière, regarde, il y a un petit bout de scotch, il y a un petit bout de scotch là en dessous. Je l'ai enlevé pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi à ouvrir. Alors vas-y, je te laisse faire. Non, regarde, t'as juste à soulever ça, je pense. Ah là 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 là, vas-y, attends, hop. Alors, tu vas nous montrer un petit peu ce que t'as pris. Parce que c'est Sindel qui a choisi, hein. C'est pas... C'est pas moi, moi je l'ai juste guidé. C'est la veste avec... C'est une veste, ça? Oui, pardon, la veste avec... La salle avec la veste. Alors vas-y, ça, qu'est-ce que c'est, ça, comme tu dis ça? Ils font bien les câbles. Ouais, parce que tu voulais avoir comme ta sœur. Des doudous. Sauf que ta sœur, elle a le Totoro. Vas-y, mets-le sur la tête. En fait, c'est un bonnet. Voilà. Et ici, ah, il est un peu grand. Mais c'est pas grave. Comme ça, oh, regarde. Hop, en fait, tu dois... Et même à l'intérieur, c'est chaud. Bah oui, c'est tout doux. Parce que ta grande sœur, elle a le même, mais façon Totoro. Depuis très longtemps d'ailleurs. Et toi, tu voulais mettre... Tu mets les mains dedans? Comme ça, tu montres au petit copain? Oui. Tu vas pouvoir le mettre pour aller à l'école parce qu'il fait super froid ce matin, enfin aujourd'hui. Ouais, super. Ouais. Ok, nickel. Tu vois, tourne-toi pour voir si derrière, c'est pas trop court. Ah ouais, non, il prend bien derrière le cou. Il est très bien pour toi. Très bien. Ok, on l'adopte ou on l'adopte pas? Oui, on l'adopte. Ouais. Ok, donc là, elle est à fond, ça y est. Et... Mais il y a encore quelque chose. Oui, ok, je te laisse faire, je te laisse faire. Bonjour. Allez, allez, mets-le sur le côté et après tu mettras pour sortir, t'inquiète pas. Donc, son écharpe licorne. Ah, ça s'est bougé depuis longtemps, hein, cette écharpe licorne. Hein. Non, 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 pas la tête dans les sacs, c'est dangereux, ça en fait pas. Ouais, c'est dangereux, faut jamais faire ça. Hop, ça colle. Allez, montre-nous, on est pressé. C'est pour moi. La veste. La veste, ouais. C'est... Comment tu dis? Inversible. Inversible. Non, c'est la veste réversible. Alors, c'est une veste... Attends, ça, je vais l'enlever moi-même. Mais tiens, vas-y, ouvre-la. Alors, ça, c'est une veste qui se met des deux côtés. Vous voyez? Là, elle est... hop. Elle est fourrée comme ça, elle a une petite peluche, là. Alors, comme elle est réversible, là, on a le visage du panda à l'intérieur qui se voit à l'extérieur quand elle est retournée. Elle est bleue. Je vais vous montrer. Bleu et rose. Là, elle a les petites poches. Avec deux petites poches latérales. Ouais, tout à fait. Oh, il y a la marque, l'hippopotame. L'hippopotame, non, pas vraiment. C'est un nounours. C'est mon oui, copain. C'est la marque, l'hippopotame. Mais c'est pas hippopotame. C'est moi. Ouais, on dirait des oreilles d'hippopotame, c'est vrai. Non, c'est un petit bonnet, en fait. Un bonnet nounours. Mmh. Tiens, vas-y, ouvre-la, ici. Voilà, donc à l'intérieur, waouh, c'est super chaud, oh c'est super doux, et il y a des poches aussi de à l'intérieur, quand en fait tu la retournes, après tu as des poches évidemment. Donc voilà, donc tu veux l'essayer des deux côtés? Allez, on essaye de ce côté. Tu penses que tu la mettras tout à l'heure pour aller à l'école là dans 20 minutes? Et je veux m'endormir avec. Alors vas-y, essaye là. Allez, montre-nous ta petite veste. Ah, le colis bigouille. On l'a reçu pendant la vidéo de la dernière fois avec ta sœur. Tu arrives? Oh, mais oui, bien sûr, mais bien sûr, il y arrive. Alors, il y a deux côtés pour la mettre, cette veste. Donc, on a celui-ci. Je préfère celui-là. Tu préfères celui-là? Attends, attends, t'as pas encore oui, mis de côté. Oui, mais avec la capuche inversée. Ah bah, si tu... Bah non, tu... Ah non, si tu la mets de ce côté, t'es obligé de mettre de la capuche normale. Là, c'est tout chaud, mais... Ah oui, c'est tout chaud. Mais tu peux pas mettre la string trop mignon là, tu vois. Mais tu veux le visage à l'extérieur. La cape, c'est un truc que j'aimerais enlever. Oui, mais ça, on l'enlèvera tout à l'heure, t'en fais pas. Vas-y, tourne-toi. Tourne.
Ouais, super. Donc t'es bien dedans, quoi. C'est la bonne taille. Ouais. Ok, nickel. Tu mets de l'autre côté? Alors, Findel galère un petit peu. Ouais, voilà, je pense que c'est franchement là. Allez, vas-y, tu peux y aller. Avec la petite tête de... Le panda, c'est tant mieux. Allez, et tu nous diras ce que tu ressens. La petite main, c'est ici, là. Ouais. Ah bah oui, il y en a de partout. Et tu nous diras ce que tu... Voilà, ce que tu en penses quand tu la mets comme ça. Bah, c'est bien, bien, c'est mieux dans la poche. Oui, ça va. Dans la poche. Ça va jamais arriver, ça. Ah, ah, ah ouais, elle est jolie aussi, hein, comme ça. Bien, mais bon, je préfère celle-là. Allez, mets la capuche pour nous montrer avec la capuche. Ouais, c'est stylé quand même, hein. Ah ouais, ouais. Je sais pas ce que tu veux mettre, je suis bien, mais je préfère la tourelle. Tu préféreras l'autre? Ouais. Bah, quand il fait froid comme aujourd'hui, je pense que de l'autre côté, avec la fourrure dedans, je pense que c'est mieux. Après, quand... Ouais, en plus, c'est serré, du coup, c'est bien. Ouais. Bah oui, quand c'est serré, ça réchauffe. Et du coup, quand quand il fait un peu moins frais, voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, donc là, on est avec le côté... on a Findel avec le côté fourrure à l'extérieur. Et du coup, on peut voir la petite tête de panda trop mignonne avec les petites oreilles bien noires. Tu te vois dans le replay, oui. Ouais, et alors, du coup, voilà. Alors, tu sais, ce colis-là, on l'a reçu pendant la vidéo de la dernière fois, la dégustation de bonbons. Et Nola regrettait un peu de ne pas avoir fait de commande sur... sur le site, mais bon, elle a quand même fait une autre commande sur un autre site et elle va recevoir une robe parce qu'Enola, elle adore la mode rockabilly, donc voilà, elle va recevoir sa robe rockabilly, elle attend avec impatience. Et donc nous, on a fait l'unboxing des goumis. Voilà, pour le... Mamie qui vous dit coucou. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve après sur le chemin de l'école. Hein, Cindel, tu vas te laver les dents. Et puis surtout, je vais enlever la veste pour te laver les dents, j'ai pas envie que tu la salisses. Et puis on se retrouve après. Findel est prête pour affronter le grand froid. Ouais. Alors, attends, Et c'est mon manteau. Ah oui, je cherche. Alors là, on est dans la cave. Je vais chercher la trottinette. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Déjà. Elle a un petit peu brillé. C'est vrai que cette trottinette commence à être un petit peu vieille. Allez, c'est bon. On n'est pas en avance non plus. J'ai envie qu'on arrive en retard. Bah je sais, elle est pas très en forme. Allez, dépêche-toi. Allez, Findel, on se dépêche. Bon, moi, j'y vais. On va arriver en retard à l'école. Alors, ce que Findel ne sait pas, c'est que la nouvelle trottinette est déjà arrivée. Mais elle ne le sait pas. Je la laisse faire de la trottinette avec la vieille trottinette. Mais en fait, je vais lui changer ce soir. Et le retour de l'école, ce sera avec la nouvelle trottinette. Oui, je t'attends. Et ça fera une deuxième vidéo, ça, vous le verrez, et en fait vous verrez ça dans la deuxième vidéo parce que là, la vidéo d'aujourd'hui, elle va s'arrêter quand on va arriver à l'école. Mais tu sais, je crois qu'il va falloir qu'on s'en sépare, hein. Bah oui, parce que là, c'est plus possible si tu en fais pas, là. Bah je sais que tu l'aimes bien, mais tu sais, si on s'en sépare, c'est pour en avoir une autre. On pourra même pas la donner aux bonnes œuvres, aux petits enfants malheureux, parce que... Il pourrait se faire mal. Et toi, c'est pareil, si tu la gardes, tu pourrais te faire mal parce que le guidon tourne. D'ailleurs, t'es déjà tombé plusieurs fois avec. Oui, la roue, mais le guidon aussi. Allez, viens. Oui, donc comme je disais à Findel, on pourra même pas la donner aux petits-enfants, enfin aux associations comme le Secours Populaire, Emmaüs, parce qu'elle est vraiment mal en point et quand on donne des choses, on les donne en bon état, quoi. Là, ça va pas être possible. Donc on va l'amener à la benne. Voilà. Allez, Findel. L'école va fermer, on sera encore en train de parler. Parce que Findel est resté devant son colis, donc un petit moment. Ah, tu roules pas très vite là. Hein. Donc non, en fait, ça va. L'école va pas encore fermer. Donc nous, cette vidéo, elle se termine maintenant. Ah, tu vois, t'as failli tomber. Cette vidéo se termine maintenant. Et donc on est super contents
On espère qu'elle vous aura plu. On espère que vous avez pris du bon moment avec nous, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter et puis surtout à vous abonner. Nous, on vous dit au revoir. On fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine fois. Salut. Mmm.